mi-aime tout fruit, sauf ça devient un peu acide, comme bilimbi ou... Olivier Hoireau, 47 ans, maire du Port. Entre autres. Alors, je l'ai avec moi. Objet fétiche, c'est un téléphone portable, un smartphone. Fétiche parce que, comme n'importe qui, il est attaché à nous, il est avec nous et nous gère tout par téléphone de nos jours. On reçoit les mails, les messages, nous communique, nous interdit, nous autorise, nous signe, nous... Enfin, c'est un objet très condensé qui résout beaucoup de problèmes que nous l'avions avant. Et puis, ça nous donne beaucoup plus de liberté, liberté d'être... plus en contact avec la population, puisque quand on a au téléphone, on n'est pas obligé d'être dans un bureau pour discuter, on peut faire ça à distance et pour moi, l'agenda l'aidant. C'est un objet extraordinaire que l'on a toujours avec moi. Mais je ne peux pas dire quel est mon plat préféré, parce que j'y aime manger, j'y adore ça, d'ailleurs ça se voit un petit peu, mais j'y aime manger, j'y aime tout ce qui est bien fait, j'y aime la bonne cuisine de tous les horizons, comme notre population à nous. Et il est trop compliqué de dire que j'y aime un plat, parce que ça fait déjà loup d'autres plats et je n'ai pas envie de fâcher à moi avec les meilleurs plats de la Réunion, donc moi, je suis camarade avec tout le monde. Oh, moi, j'aime bien lire, j'aime bien aller à la pêche, mouliner, hein, moi, je n'ai pas un pêcheur sous-marin, ni même en mer. Mais il peut dire que j'aime bien danser aussi. Ah, écoutez, parler de mes qualités, ce serait osé et déplacé. Je laisse les internautes, je laisse mes amis, ma famille en parler, le dire. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là quand même. À défaut, par contre, nous n'aurons pas assez de temps pour refaire la liste. Pas mal. Non, mais peut-être un peu gourmand, nous parler de cuisine tout à l'heure. Il aime bien manger, alors peut-être aller d'être exigeant sur la qualité des plats, des repas. Et d'ailleurs, il invite tout le monde à venir essayer les restaurants du port parce que Léopold et tous les restaurants. Ma fille essaye tout. Hein. Mon grand-père, qui était conseiller municipal adjoint avec Paul Vergès en 71. Oula, à mon avis, dis-moi qu'il n'est pas cassé avec lui, il m'a bien répondu à haut, parce qu'à mon avis, tous les politiques, et moi avec, et peut-être même le premier, nous l'est tous des cassés à l'écu, et heureusement, parce que la politique, l'est important, mais casse l'écu, à mon avis, il est très important aussi pour réussir. Oh, écoutez, ancré dans l'avenir, c'est déjà le début, ça. Ça, c'est nous commence avec... l'importance de montrer comment nous les attacher à notre tradition, à notre fierté portoise, et puis nous les tourner vers l'avenir. Donc, quand nous regarde ça, il veut dire que nous la change de mère, nous la change d'équipe, mais nous change pas l'identité, nous les fiers, et nous y aime notre vie. Ben, le port m'y aime, voilà, peut-être ça peut être ça, le port m'y aime. Ou m'y aime le port, allez. Ben, c'est sa mission première et ça a commencé et ça fonctionne, ça évolue. Il me donne out deux chiffres. D'abord, la ville du port est celle où on a eu le niveau des élèves qui a le plus augmenté dans l'école primaire. Donc ça, c'est le résultat d'une politique, d'une équipe et une orientation importante que nous l'a eu. Et puis le deuxième, c'est la baisse significative de la délinquance au port. Donc nous l'en train de tourner cette mauvaise page, cette mauvaise histoire de la ville du port. On connaît la vie d'une ville, c'est comme un grand feuilleton peut-être. On a les bons moments, les mauvais moments. Nous l'est en train d'écrire les plus belles pages de l'histoire. Et mais pense que nous n'aura d'autres histoires à raconter au port. Et heureusement, c'est pas la ville, c'est pas le maire, c'est les habitants bien sûr qui racontent cette histoire. Ah, mais connaît bien Black Tea. Malheureusement, on n'a pas la chance de connaître Andy, mais peut-être un de ces quatre m'a trouvé. D'ailleurs,
Il profite pour saluer Alu et tous les artistes portois et réunionnais, bien sûr, qui fait vibrer la Réunion, qui fait briller la Réunion ici, mais ailleurs aussi, partout dans le monde. Et ça, c'est notre grande qualité, notre fierté réunionnaise. Alors, la présidente de région travaille ensemble. Est-ce qu'elle est ensemble peut-être bientôt? Allez, me pose la question. C'est une histoire parce que malheureusement elle n'est pas encore finie, mais tout ça, miroir que soleil est en train d'éclairer, vous connaissez après la pluie, le beau temps, et les choses avancent bien. Alors, si votre question c'est de savoir quel fruit m'y préfère, m'y aime tout fruit, sauf ça devient un peu acide comme bilimbi, ou c'est pas trop mon affaire, mais du coup m'y mange pas de bilimbi, donc ça m'a aucun risque là-dessus. Oh, on n'a pas encore commencé à lune de miel, elle est en train de réfléchir, mais on a eu un beau mariage. Ça fait 13 ans que m'allais avec ma femme maintenant, Martine, qui m'accompagne depuis 13 ans, qui a traversé, qui traverse et qui traversera tous les bons moments de la vie politique avec moi. Et mi salut à elle d'ailleurs, salut chérie, et salut mes enfants aussi. Bon, ben, le message à faire passer aux lecteurs, c'est de prendre plaisir dans la vie, c'est de considérer que rien n'est immuable, que rien ne se fige dans la vie. Il y a toujours des obstacles et comme un cycle, après un obstacle, il y a toujours des bons moments, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Et puis, le plus important dans la vie, m'y pense, c'est d'être heureux, c'est dans ce qu'on fait, dans ce qu'on se projette de faire, d'aider les autres, se tendre la main les uns les autres, aider les plus démunis, parce que s'il ne nous fait pas ça, il veut dire qu'on n'a pas bien compris le sens de la vie en société. Et c'est le message que m'y lance, que beaucoup de Réunionnais, ils fonctionnent déjà comme ça, on est connu pour notre solidarité réunionnaise. Reste comme nous l'est et allons valoriser ça.